Salut à tous, vous avez un business en ligne, vous avez une boutique ou vous faites de l'affiliation, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez et vous souhaitez générer du trafic sur Internet. Donc pour faire des ventes, pour accroître votre chiffre d'affaires, ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer du trafic massif avec Pinterest. Et Pinterest, donc, c'est un réseau social de recherche d'images, vous le connaissez sans doute déjà. Et vous connaissez également la méthode classique sur Pinterest, qui est celui de créer des épingles, soit avec Canva et venir publier sur Pinterest pour générer du trafic. Bon, nombreux en ont essayé, je l'ai essayé et c'est tellement nombreux d'entre vous. Donc, vous avez essayé sans doute ces méthodes et vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas justement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une intelligence artificielle, une IA qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches sur Pinterest et générer du trafic comme cela sur Pinterest gratuitement. Bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Michael Mika, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis auteur du blog growthbusiness.com, du slogan Growth Business Croissance Rapide. Et sur cette chaîne YouTube, je partage des astuces marketing, des stratégies de business en ligne, comme celui-ci, des stratégies pour générer du trafic en ligne, parce que le trafic sur Internet, c'est la guerre des nerfs et il vous faut du trafic pour pouvoir réussir, peu importe le domaine dans lequel vous exercez sur Internet. Donc vous aurez besoin du trafic, que ce soit du trafic gratuit ou du trafic payant. Donc si vous avez à cœur de faire croître votre chiffre d'affaires ou développer votre business en ligne, alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc je vous ai dit, dans cette vidéo, je vais vous présenter une IA qui va vous permettre d'automatiser la création des pins sur Pinterest, la recherche des images et plein d'autres choses. Vous faites des pings, vous créez des pings qui vont vraiment cartonner sur Pinterest. Ok, donc avant que je ne vous présente l'IA, laissez-moi d'abord vous présenter, vous faire un petit récapitulatif des outils d'automatisation en ligne pour ceux, peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui ont eu à utiliser Javi dans le temps. Javi était l'outil vraiment tout en un. Dans ce couteau suisse avec lequel on pouvait vraiment tout faire sur Internet, automatiser des publications sur Facebook, Pinterest et plein d'autres. Mais vous pouvez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, Javi donc, a eu à fermer les portes. Pourquoi? Simplement que Javi n'a pas eu à à suivre l'évolution. Et l'évolution aujourd'hui, ce sont des intelligences artificielles. D'ici 2030, 40, 50, je pense que les IA vont vraiment nous remplacer au quotidien, ce qui est bon, peut-être un avantage et pourrait aussi présenter des inconvénients. Donc Javi était cet outil avec lequel on pouvait vraiment cartonner sur Internet, programmer des choses, peu importe le réseau social. Et Javi également fonctionnait très bien avec Pinterest, mais aujourd'hui tel n'est plus le cas. Et avec le temps, nous avons eu à avoir Tywin. Donc Tywin aujourd'hui est toujours d'actualité. Tywin, vous pouvez créer des pins sur Tywin, vous pouvez programmer vos pins sur Tywin. Et Tywin s'en charge par exemple de trouver la meilleure heure de publication sur les réseaux sociaux. Donc Tywin, vous pouvez programmer, créer des pins ou des publications Instagram. Tywin vraiment aujourd'hui encore d'actualité, mais qu'à cela ne tienne, Tywin également présente ses avantages et ses inconvénients. Mais le but de cette vidéo n'est pas de vous présenter Tywin, mais de vous présenter une intelligence artificielle donc qui va vous permettre en moindre de temps créer des pins en masse et la publier également de façon automatique sur Pinterest sans que Pinterest ne détecte que c'est un robot qui est en train de publier. Pinterest déteste, autant pour moi, Pinterest déteste les robots, donc tout ce qui est automatisation. Lorsque l'algorithme détecte que ce n'est pas un être humain qui est en train de... ça peut être répondre à des commentaires, mettre des cœurs, des likes et tout. Donc votre compte sera directement clos, mais avec l'intelligence artificielle que vous présentez aujourd'hui, votre compte sera sauf. Ok, mais avant de vous présenter, laissez-moi vous donner quelques chiffres sur Pinterest. Donc Pinterest en moyenne, c'est
17 millions de visiteurs mensuels uniquement en France. Donc, 60% de l'audience Pinterest dont est féminine. Et donc, vous pouvez avoir, je laisserai simplement le lien de cette ressource dans la description. Étant dit, nous allons prendre PinGenerator dans l'intelligence artificielle qui révolutionne le marketing sur Pinterest aujourd'hui. Donc, j'ai eu à utiliser cette intelligence artificielle et c'est pour ce faire, je vous recommande énormément si vous comptez générer du trafic vraiment massif avec Pinterest. Donc, l'avantage avec Pinterest, c'est que vos posts n'expirent pas, contrairement à Instagram, Facebook, Twitter et autres. Les pins sont référencés sur Google, donc c'est un bon avantage. Vous pouvez simplement créer une landing page, peut-être si vous avez un e-book ou si vous avez une formation au fait. Vous pouvez créer une landing page et rediriger tout votre trafic là-dessus. OK. Comment cela fonctionne? Vous aurez simplement à entrer votre URL. Donc, je vais prendre l'exemple de ce bloc. OK. Donc, les chiffres de Pinterest, vous aurez simplement à venir ici, entrer l'URL et cliquer sur Generate Pin. Mais nous n'allons pas le faire maintenant. Nous allons voir par exemple quelques avantages, l'automatisation, IRIRAC, Bull Sochet, donc programmation des pins en max. Vous avez 7 jours d'essai gratuit, mais qu'à cela ne tienne. Un deal est disponible sur AppSumo, donc le Pin Generator qui est de $99, accès à vie. Donc, vous n'aurez pas à payer chaque mois pour utiliser l'outil. Donc, nous allons un peu survoler l'outil. Vous allez un peu voir. Donc, vous allez booster l'engagement de votre compte. Vous allez créer des pins en masse et vous allez rester consistant, donc votre compte serait toujours alimenté. Vous avez une intelligence artificielle qui vous assiste dans la création de vos pings. Donc, vous avez des templates que vous pouvez modifier. Vous avez, c'est approuvé par Pinterest. Donc, vous n'aurez pas aucun risque que votre compte soit banni par Pinterest. Donc, concernant l'abonnement, combien cet outil coûte? Si nous allons sur le prix, si nous prenons le prix mensuel, vous avez à débourser $16.99 tous les mois et vous pouvez générer 200 pings. Donc, chaque mois, vous pouvez publier sur les profils limités sur Pinterest. Donc, le paiement, c'est par PayPal, l'abonnement mensuel, OK. Si nous prenons annuel, donc vous allez économiser de l'argent. Mais si vous prenez le deal de AppSumo, donc sur AppSumo, vous aurez simplement à payer $99 et générer 600 pins en illimité. Et je laisserai le lien dans la description de la vidéo. Étant dit, nous allons directement aller sur la génération des pins. Donc, vous allez simplement entrer l'URL ici. Je vais entrer l'URL du pin. Je vais prendre un article de blog. OK. Vous aurez simplement entré l'URL de l'article ici. Donc, si c'est un article de blog que vous avez, si c'est un produit sur votre boutique, vous avez simplement entré l'URL ici. Choisis le nombre de pings. Par exemple, je vais prendre 5 pour juste une démonstration. Vous avez la possibilité directement de cliquer sur « Générer pin ». Donc, dans « Générer pin », vous avez la possibilité. Nous allons cliquer sur « Générer pin ». OK, quelques minutes que l'outil recherche les images disponibles, par exemple, dans cet article. Donc, l'article, c'est quelques commandes de prompt de ChatGPT. OK. Donc, le temps que ça charge, ici, vous avez, par exemple, la possibilité de choisir la couleur de vos pings. Vous avez les templates que vous pouvez, randomize, vous allez générer des templates aléatoires. Donc, l'image... également pareil, il y a option, vous pouvez par exemple rewrite all title, vous pouvez changer des titres en choisissant par exemple la langue, le français. Et ici vous allez par exemple choisir le titre que vous allez mettre.
vous allez donc modifier toutes ces informations qui seront utilisées pour la publication sur Pinterest. Ok, dans l'option vidéo, vous pouvez uploader une vidéo donc depuis votre ordinateur. Bon, Etsy Store, si vous avez une boutique sur Etsy, vous pouvez utiliser. Ok, donc l'outil recherche encore les images. Apparemment, ça bug un peu. Ok, donc je laisserai le lien dans la description. À vous de tester l'outil et m'en dire ce que vous en pensez. Ok.